Nervous? Nervous? Yep. For what? I don't know. It's gonna be 35,000 people here. No? Never before a game? You do this for 162 days, you don't get nervous. So how do you feel? Is there a difference between just before a game and in real life? No? No, it's the same thing. It's like driving to work. Yeah. And when was the first time someone told you you're gonna be playing in the big leagues one day? Play what? How old were you when the first time when someone told you that you were gonna be playing in the big league one day? 25 years. When I was 24. You were 24? 24. So that was your biggest dream? Mm-hmm. What's your biggest dream now? to stay here for 10 more years. Yep. So son plus grand rêve maintenant, c'est... I'm gonna translate. Son plus grand rêve maintenant, c'est... de jouer encore au moins 10 ans dans la Ligue, parce qu'il avait 24 ans quand quelqu'un lui a dit qu'un jour il était pour jouer dans la grosse Ligue, et puis maintenant pour les Expos, c'est un rêve qui a concrétisé, mais il n'est pas du tout nerveux. J'ai demandé juste avant la partie, comme ça, on joue dans une heure, hein? Pas moi, là, on ici la personne qui parle. Puis, non, il n'est absolument pas nerveux. Thank you very much, OK, I'm gonna let you I gotta go to work. Thank you. Quant à nous, on va retourner en clip tout de suite, on va aller voir Sherpas. Et c'est bientôt qu'on pourra les voir à Montréal en spectacle dans le cadre des Francopholies de Montréal. On les regarde en clip tout de suite. Thank you, man. OK. Oui, Martineau vous invite. Encore beaucoup plus qu'un rêve que je réalise cet après-midi parce que, après d'abord, je venais ici seulement faire l'entraînement avec les expos, m'habiller comme ça. Mais là, maintenant, M. Gary Carter avec vous pour les prochaines minutes, chers amis, au spécial Music Plus S'Expose. Sir, this is a... Look good. What? I like this. Well, are you going to play tonight? No. If you would have been the coach, yes. You think I would have been able to play? Well, I'd have to, like, maybe trade somebody or send somebody down to get you. I mean, are you a right-handed hitter or left-handed? I'm right-handed. Okay. I mean, do you hit home runs? Not quite. Singles guy? Single, yeah. I'd have to maybe bat you eighth, you know, and I'd have to expect you to... Can you run? I can run, though. Yeah? I can run. Okay. Well, maybe then we could insert you, okay? What position, though? Second base, please. Second base? Yeah, or shortstop. Well, what about Mike Lansing, though? He's playing well. No, he's my co-host today. Oh, yeah? Yeah, I told him I wanted to play it for him. Well, how are you going to take his position? I don't know. Maybe come in late innings. Maybe get a pinch hit or something. Maybe. Sir, I'll think about it. It's because of you why I'm here today, because it's like a dream come true for me today, because I used to play baseball. Now I'm doing the TV, but I thought about, you know, coming here and made the viewers discover this baseball. Right. And you still involved baseball, even though you quit. Now you're doing TV for baseball. Well, my last year as a player was right here in Montreal, which I enjoyed thoroughly and came back. The fans received me very well. I guess there comes a time in your life that you have to make a decision. Sure. And I wanted to continue to play in some ways, and then my knees, they just wouldn't allow me to do it anymore. Mm-hmm. But the Expos and retiring my number, I mean, it was a big thrill. How is it when you come back here and you see your number here and you are a big hero in Montreal? Well, it's a thrill. It really is. I mean, I would like to still be a part of this organization, but at the same token, with the kind of situation that the Marlins presented to me, being that home is in Florida, I mean, I've talked to Jim Beatty and I have kidded with Felipe about it that, well, maybe one day I will be able to come. Oh, well, possibly. Well, but you see, right now, with my family still at the ages that they're at, I've been spending the time with them at home, and at the same token, being able to stay around the game, being a broadcaster for the Marlins. So it's been fun. So would it be like the perfect life, coming back here eventually? Oh, yeah, I would love to. Yeah. I would certainly love to. But I mean, Felipe is a fixture, and I mean, he continues to do well as manager, and maybe when he decides that he doesn't want to manage anymore, maybe the kid can come back. Thank you very much, the kid. Thank you very much, all right. Mr. Gary. You bet. You thank bet. You. My pleasure. And good luck to you. Well, thank you very and much. And if maybe you do get in there, I want to see you maybe get your major league hit or something. At least for practice. Oh, absolutely. Okay. All right. Thank you very much, Mr. Gary Carter. Laissez-moi traduire, mes chers amis. Je suis plus qu'ému présentement puisque je viens de rencontrer un de mes fans, un héros de jeunesse, alors que j'ai concrétisé un de mes rêves aussi en venant ici aujourd'hui au Stade Olympique. Et puis Gary Carter, il nous parlait tantôt. Regardez là-bas sous la clôture tout au fond. Regarde François, le numéro 8, parce que vous savez que Gary Carter, plus qu'un héros,
numéro. On a retiré son chandail, on a mis son numéro là-bas, parce que Gary Carter, receiver, tout un homme et un gentleman en plus, nous a parlé un petit peu de cette tristesse qu'il a parce qu'il a quitté Montréal maintenant et il travaille pour les Marlins, c'est-à-dire qu'il est à la télévision pour le réseau de télévision qui diffuse les matchs des Marlins en Floride. J'ai dit Montréal, ça vous tenterait peut-être un jour. Il dit, j'en ai même parlé, on en a ri même avec Monsieur Philippe Allou. Il dit peut-être que si un jour il se retire, il reviendrait ici à Montréal comme entraîneur des Expos de Montréal. Ça pourrait être quelque chose, ça serait une belle boucle de boucler. Et puis j'ai demandé à ce moment-là, si vous êtes entraîneur, est-ce que moi je pourrais jouer avec votre équipe, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Carter? Et puis il m'a dit, man, je comprends une pratique, on verra quand même. Wow, c'était quelque chose, ça. Isn't it ironic? Voici Alanis Morissette, on la présente au Centre Molson à Montréal, un autre temple du sport. C'est le 8 août prochain. On la regarde en clip tout avec un extrait d'album Jack Little Pill. Il me manque seulement deux ou trois pratiques, puis semble-t-il que je vais pouvoir jouer. C'est ce que M. McLean me dit ici, parce que ces joueurs des Expos sont très en forme. Je dis moi aussi, mais il dit juste encore un petit peu de pratique. OK, I'm going to come back and see you next week. Perhaps I'll be able to play. Great. OK. Great. Would you like to see something in the video? Qu'est-ce qu'on présente en clip maintenant? OK, on va poursuivre en clip. Thank you very much. Je suis pas ce soir, ça a l'air. Sorry. Quand tu étais plus là-bas, tu n'étais pas installé comme ça. Tu es venu il y a quelques années ici. Pour le football, c'était là-bas, oui. C'était, c'était plus serré un peu ici. Maintenant, on a une grosse régie moderne pour la vidéo, pour l'audio. Ouais. L'audio, ça, c'est son bébé à lui, c'est lui qui fait ça. Il faut que je vous dise, chers amis, c'est comme le chef d'orchestre. C'est plus qu'un DJ, c'est comme le Daniel Desnoyers de la Danse Express. C'est qui Daniel Desnoyers? C'est le gars qui fait, c'est notre DJ dans les tournées de Danse Express. Okay? Fait que la musique, pour lui, il connaît ça. Bon, je veux que tu me parles un petit peu de tes deux passions que tu as alliées. La passion, il travaille, là, par exemple. On le dérange un petit peu. Tes deux passions que tu as alliées, celle du baseball, parce que tu as déjà joué au baseball. Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai joué Midget 2A. Puis la musique aussi. Hein? J'ai toujours été intéressé par la musique, par la radio. Je fais de la radio. C'est mes deux passions. Quand j'étais jeune, je t'avouerai, attends une petite seconde. Ouais, vas-y. OK, tu marques. On peut y aller. Marc qui? Marc Léveillé, c'est lui qui fait les annonces dans le stade. C'est l'annonceur maison. Okay. Il va présenter là, l'alignement partant pour l'autre, pour les Marlins de Floride. L'alignement partant pour les Marlins de Floride. C'est ça? C'est exactement. Tu cherches un emploi à temps partiel? Ben, j'aimerais ça remplacer des fois, pourquoi pas? OK, toi, ta job, donc, c'est un véritable show, hein? C'est ça, des cues à respecter, tout le temps, toujours de partie, hein? Oui, moi, je compare ça à une grosse présentation multimédia, un gros show multimédia. T'as de l'audio, t'as du vidéo, t'as une présentation live. Les joueurs, c'est comme un spectacle live qu'ils font. Uh-huh. Nous autres, on complémente ça avec l'audio, il y a l'écran vidéo, il y a le matriciel. Donc, c'est comme une grosse présentation multimédia, dans le fond. Je te laisse faire ta présentation tantôt, mais je veux juste savoir, t'as vraiment une relation avec les joueurs. Tantôt, je leur parlais, puis je leur parlais justement de l'aspect musical. Ils me disaient, ouais, nous autres, il y a quelqu'un qui nous aide ici au stade, puis il disait, c'est Pierre. Pierre. Yeah, Pierre does help up. Ouais, le music man. Oui, ça fait 5 ans quand même, j'étais avec les expos. À chaque hiver, on a ce qu'on appelle une caravane. Pendant 3 semaines de temps, on voyage ensemble en autobus. Ça m'a permis quand même de créer une petite relation avec les joueurs. Ça m'a permis de parler avec eux autres de musique. Parce que c'est des passionnés de musique. Mm-hmm. Hein, c'est pas parce que des athlètes qui ne connaissent pas ça. Ouais. Un gars comme Lansing, je suis sûr que tu y as parlé. Ouais, c'est un gars. Parce qu'il vient du Wyoming. Puis Le rock. Donc, ça m'a permis de créer une petite relation avec les gars. Puis les gars, ils aiment la musique, ils aiment parler de musique avec moi. Ils sont très sympathiques, je suis sûr que tu as remarqué. Ouais, absolument, Lansing, c'est notre co-animateur, vous l'avez remarqué. Il y a aussi les différents groupes ethniques, par exemple. Tous les Hispanos ici, ils écoutent beaucoup de salsa, des trucs comme ça, c'est ça? Exactement. Puis les gars qui viennent de République dominicaine, c'est des gars qui aiment le latin, hein, puis c'est leur culture. Donc, pendant la pratique au bâton, excuse-moi, il faut que je retourne travailler. OK, regarde, merci, tu nous as beaucoup renseigné. On se laisse avec ta demande spéciale. Finis-la, s'il vous plaît. Ta demande spéciale, quelle est-elle? Ça serait pour la nouveauté de No Doubt à Musique Plus, en stéréo. Je te remercie beaucoup, Pierre. Bed 4-2, whether you stay home or whatever you do, but... Mm-hmm.
It just takes a little while to get your rest. Well, good luck for the rest of the season. Thank you very much for co-hosting the show with us. It's been a pleasure, man. It's been a pleasure. I've enjoyed it. And tomorrow, it's a big big event tomorrow because all the people that come here, they have a T-shirt. Un T-shirt pour vous demain si vous venez ici pour la fête du 24, pour la fête du Saint-Jean. You have the word for the end. I sure do. Bon fête québécois. Bonne fête québécois, chers amis. Et voilà, donc demain, si vous venez ici, un T-shirt pour vous, pour le spécial de la Saint-Jean, ici aux Expos de Montréal. Je vous laisse étonner que j'ai passé une journée tout à fait splendide. Il faut absolument que je continue ça comme ça. Et puis, c'est un de mes choix musicaux que je vous offre tout de suite. C'est Tracy Bonham, c'est Mother Mother qu'on regarde tout de suite pour clore ce spécial Musique Plus s'expose avec mon co-animateur aujourd'hui, Mike Lansing. À la prochaine, tout le monde. Bonsoir, amateurs de baseball.